Idioma. Idioma, ne me laisse pas mettre main sur toi un jour dans cette maison. Idioma. J'ai pas causé à mes parents le jardin nu que tu me causes dans cette maison. Regarde ta sœur, ta petite sœur. Elle écoute toujours mes instructions et mes ordres dans cette maison, mais pas toi. Idioma. Qui a-t-il? Mais c'est pas cette fille. Idioma. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Regarde la maison. Regarde! Autour de toi, pourquoi n'a-t-elle pas balayé? Chérie, je n'aime pas la façon dont tu traites cette fille. Hein? Pourquoi est-ce que tu compares toujours les deux filles? Idioma et Chica. Regarde Idioma, regarde Chica. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi toujours les comparer? Ne sais-tu pas que tu causes des problèmes en faisant ça? Ça devient déjà trop. Hein? S'il te plaît, prends ta fille parfaite, Chica. Laisse Idioma tranquille pour moi. Laisse-la tranquille. S'il te plaît. S'il te plaît. Neddy. Hein? C'est toi qui parles ici? Hein? C'est notre voisin qui te parle. Oh. Bien joué. Merci, oh. Tu as réussi à détruire cet enfant. Adieu ne plaise. Comment ça? Tu as réussi à la rendre paresseuse. Adieu ne plaise. Comment? Juste à cause d'un simple jus et de l'argent qu'elle te ramène dans la maison. Eh oui. Oh! Donc? Oh non. Tu aurais dû me dire... Te dire quoi? Non. Tu aurais dû me dire que ton problème, c'est le jus. C'est pas ça mon problème. Pourquoi c'est ton problème. Une grande fille comme elle dans cette maison? Elle est incapable de prendre un balai et balayer. Tout ce qu'elle attend, c'est que sa petite sœur vienne J'ai le faire que à sa place. C'est ton problème, mon chéri. N'aidez. C'est ton problème. Si ce n'est pas ça... Pourquoi est-ce que tu te plains du jus qu'elle me ramène et de l'argent qu'elle m'apporte? Ma petite fille, la prochaine fois que tu sors, en rentrant, ramène plutôt deux jus. Rassure-toi d'en prendre vraiment deux. Comme ça, tu m'en donneras un et tu en donneras aussi un à ton père. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? N'importe quoi. Tu ne veux plus de jus? Je sais que c'est ton problème. Rassure-toi d'en prendre deux. En arrivant ici, donne-lui un et donne-moi un. Et c'est tout. Maman, je n'ai pas d'argent. Ramène-en deux. Donne-lui un et donne-moi un. Et comme ça ira, tout le monde aura son jus. D'accord. Papa, quel jus est-ce que tu veux? Maman, je n'aime pas la manière dont papa me traite dans cette maison. Je n'aime pas la manière dont il me traite. Hein? C'est un problème si moi, Idioma, je connais ma valeur. Maman, regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi très bien. Maman. Non! Tu as laissé Chica sortir de cette maison sans faire le ménage. Et maintenant, tu viens crier sur ma tête. Toujours Idioma. Toujours moi. Pourquoi? Oh. Pourquoi, maman? Ce n'est pas bien, oh. Hein? En tout cas, maman, moi, je m'en vais. D'accord. Je suis navrée pour toi. Regarde. On se dit qu'elle est intelligente. T'es en train de te détruire. Nani. Et ta mère est juste là à t'acclamer. Mais t'as ce qu'elle fait est parfaitement juste. Pourquoi Chica ne pouvait-elle pas balayer? Pourquoi? Hein? D'ailleurs, laisse tomber. Nous-mêmes, on va balayer. Est-ce que nous sommes malades? Exactement comme ta fille. Nous devons balayer. Oh. Viens, on y va. Ne me touche pas.
Allons balayer la maison. Allons balayer. Maman, tu vois? Merci. Maman, Ijoma, bonsoir. Je peux... Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Regarde même le genre de jupe qu'elle porte. Approche. Il faut la punir. Alors tu as porté ce truc pour aller au travail? Juste pour que les hommes et ton boss te regardent? Maman, tout ce qui ne dépasse pas ça, ne sors plus avec. Tu m'entends? Si je vois quelque chose de plus court que ça, non, tu maman. Verras. En passant, pourquoi n'as-tu pas balayé cette maison avant de partir pour le travail? Maman, je suis désolée. C'est juste parce que les gens étaient nombreux à la boutique. Donc, je devais aller les recevoir. Je suis désolée. Les gens sont nombreux à la boutique. Une petite boutique comme ça. Aïe. Une petite boutique comme ça et tu n'arrives pas à faire le ménage. Donc si c'était une grosse boutique, qu'est-ce qui allait se passer? Tu irais là-bas même Exactement. Les week-ends. Sinon, ce n'est pas une raison pour que tu partes d'ici sans faire le ménage. Écoute-moi bien. Tu es chanceuse que j'ai dû balayer à cause de ton père. Sinon, elle serait restée comme ça à t'attendre. Ce que tu as à faire maintenant, c'est d'aller à l'intérieur, prendre le plus grand jerrycan, je dis le plus grand, et aller puiser de l'eau. Va puiser. La seule chose que tu dois déposer, c'est ça. Dépose ton sac. Va porter le jerrycan ou quoi que ce soit et va puiser de l'eau. Ne pose pas ça là. Va avec ça à l'intérieur. Maman, je vais cogner cette fille. N'importe quoi. Cette fille est têtue. Tu sais ce qu'elle fait maintenant? Qui ça? Elle... Okay. Mais Chica, non? Elle marche comme ça pour que les hommes la regardent. Tu as raison. C'est ce qu'elle fait maintenant. Je t'assure. C'est vrai. Après, c'est moi qu'on va gronder. Kai! La vie est belle. Tout le temps. La vie est belle. Tout le temps. Très belle. Hey! Maman,
Oh, Wendy, oh. Hey, Mamie Dia. Maintenant, tu ne décroches plus mes appels, c'est ça? Non, tu as trouvé quelqu'un qui soit mieux que moi. Hey, quand est-ce que tu vas rentrer? D'accord, garde-moi des trucs mieux cette fois-ci. Pas comme ceux que tu m'as gardés la dernière fois. Hein? C'est ce que je suis en train de dire. Je sais, je sais, je sais. Tu n'as pas besoin de me rappeler. Hein? Attends, est-ce que tu as eu ce que je t'ai demandé de me trouver? Idioma, s'il te plaît, tu peux baisser ta voix. Tu sais que je travaille demain. J'ai besoin de dormir, s'il te plaît. Hey! Attends, 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 attends. IJ, je ne suis plus libre dans cette maison. Hein, Chica, tu es malade? Hein? Oh non, 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 non. Qui te donne le droit de me parler comme ça? Même maman ne me parle pas comme ça. Ah, excuse-moi. Non, c'est ma petite sœur. Je ne sais même pas pour qui est-ce qu'elle se prend. Non, on peut parler tranquillement. Eh? Hey! Tu es sérieux? Eh? Non, je t'attends. Non, c'est rien. Oui, tu disais? Non, sans problème, j'attendrai. Jusqu'à ce que tu reviennes. Chérie, j'adore cette chanson. J'adore ça. Ah? Chérie? Papa. Bienvenue, ma fille. T'es pas allée au travail? Non, papa. Si elle est au travail, qui va puiser de l'eau? Que fait Idioma? Est-elle enceinte? Je l'ai envoyée faire autre chose. Oui. Et en plus, Idioma est une grande fille. Tu dois la laisser faire ce qu'elle veut. Grande fille, oui, c'est une grande fille. Une grande fille sans examen. Incapable de passer un examen. J'ai pris aussi que la vue ne la déçoive pas avec cette allure qui... Ozigo! Ozigo, Nain! Ozigo! Comme tu es déjà Dieu, oui! Comme tu es déjà Dieu, Ozigo! Tu ne connais pas demain. Elle n'a pas eu son examen, et alors? Elle va le reprendre, et elle va réussir. C'est un problème. N'importe quoi. Et où vas-tu avec cette musique? Ramène là-haut! Tu vois bien que j'aime ça, et tu t'en vas avec. Ok. Je peux l'entendre d'ici, vu que tu es au salon. Ça m'aurait fait mal si tu étais allé derrière. Ne l'arrête pas, oh. Mon Dieu. Est-ce que tu sais que tu es super belle? Merci. À chaque fois que je te regarde, tout ce que je vois, c'est un ange. Je te jure que si je ne t'ai pas mariée, je serais venu payer ta dot immédiatement. Même si tu es mariée, ma mère te donnerait ses bénédictions. Tu sais, elle te donnerait ses bénédictions pour aller de l'avant. Mon petit cœur, tu sais que c'est impossible. Et en plus, ma femme n'hésitera pas à te faire la peau. Ok, ne t'inquiète pas. Ton homme à toi te verra bientôt. Qu'il en soit ainsi, peu importe. Où est l'argent que tu devais me donner pour le business de ma mère? Ne te dérange pas, je te ferai un transfert avant que tu n'arrives chez toi. Tu l'auras reçu. S'il te plaît, une dernière fois... S'il te plaît, donne-moi mes vêtements. Une dernière fois, s'il te plaît. Ta femme sera bientôt de retour. Donne-moi mes vêtements. Ok. Tiens. Beauté naturelle. Tu vas envoyer, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, oui, je le ferai, promis. Mais fais-le maintenant, non? Ne t'en fais pas, je t'ai dit qu'avant que tu n'arrives chez toi, tu l'auras déjà reçu. Je suis désolée, monsieur. Es-tu folle ou quoi? N'entends-tu pas ce que je dis? J'ai dit que j'ai voyagé après avoir acheté cette histoire. De mon retour du voyage hier, j'ai constaté que je n'ai même plus une goutte de carburant.
Entre juste et viens me rendre mon argent, que j'aille voir. Désolé, monsieur. Écoutez, monsieur, je comprends ce que vous ressentez, honnêtement. Mais nous avons déjà rendu compte pour la vente de cet appareil. De plus, ça a déjà mis du temps. Ça fait exactement une semaine que vous l'avez acheté. Je ne peux pas le reprendre. Qu'est-ce que tu racontes? Ne me fais pas... Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous voulez frapper sur une femme? Dieu merci, vous êtes là. Regardez cette idiote qui passe son temps à m'insulter. C'est ta raison. Monsieur, ce n'est pas vrai. J'étais placé là pendant un long moment et j'observais toute la scène. Comment est-ce que vous pouvez acheter un groupe électrogène depuis une semaine et vous voulez le ramener sans raison? Monsieur, il n'y a personne qui le fait et ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas acheter un générateur et le ramener pour qu'il soit changé sans raison. Personne ne le fait. Je reviendrai pour vous. Je vous le promets. Ah, vous allez bien? Ok, c'est bon. Ah, ça me revient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a cherché? Non, monsieur. D'accord. Maman? Maman? Lève-toi. Maman, lève-toi. Lève-toi. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu veux ta boutique? Je ne comprends pas. Ha! Maman, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Maman, regarde notre compte. Regarde ici. Jimo. Quoi? Hey! Jai. Mes rêves se réalisent. J'espérais que ce soit toi qui te maries la semaine dernière, au lieu de la fille de Mama Elisa, parce que tu es tellement mieux qu'elle et je sais que tu le mérites, vraiment. Mama, ne t'en fais pas. Oh. Hey! Mon mariage sera le meilleur de toute la ville. Sérieusement? Bien sûr. Ok, ma fille. Mm-hmm. Rien ne me fera plus plaisir que d'avoir mon propre bar. Mama. Je veux avoir... mon propre bar. Maman. C'est ce que je veux. Qu'est-ce que tu dis? N'es-tu pas le leader des femmes de l'église? Leader des femmes et puis quoi encore? Ah. Depuis que je suis leur leader, qu'est-ce que j'ai gagné? Rien du tout. Je n'ai jamais rien gagné du tout. En dehors des petites miettes que j'ai. Nosgo. Je ne veux plus être leur leader. Pendant plus de 3 ans, rien. Maman. Étant donné que tu vas les quitter, il n'y aura plus de problème. On pourra tu vas m'ouvrir mon propre bar? Bien sûr. Hey! Papa idiot, ma! Maman, ne parle pas fort. On ne doit pas leur dire, c'est ça? Non. C'est vrai, oh. Mm-hmm. Hey! Nous ne devons pas leur dire. Ils viendront juste constater la célébration. Hein? Ils viendront acheter et payer. Ils vont acheter des choses et payer. Chérie, tu es vraiment terrible. Tu n'aimes pas du tout ton père. Non, comment est-ce que tu peux dire ça? Ce sont les affaires. Tu payes et on paye. Hey! Papa, maman, hein? Papa est là. J'ai oublié qu'il était là-haut. Je suis tellement contente. Chut, maman. Oui. Boutique, bar. Hey! Hey, abattoir. Chut. Chica. Monsieur. Je sais que tu te demandes pourquoi je suis sortie avec toi. Je veux profiter de l'occasion pour te remercier et également apprécier tous les efforts que tu fournis dans mon affaire. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Tu es même plus dévoué et mieux éduqué que tes collègues. Je te paye pas grand-chose. Et encore, aujourd'hui, tu as subi toutes les insultes des clients. Merci beaucoup. De rien, monsieur. Et ça fait plaisir que vous encouragiez mes efforts, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je voudrais que tu arrêtes de travailler pour moi. Monsieur? Ah, monsieur, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je suis désolée. Honnêtement, si vous me chassez, je n'aurai plus nulle part où aller. S'il vous plaît, pardonnez-moi, pardon. J'arrête de faire des efforts au travail, si c'est ça le problème. S'il vous plaît, monsieur, pardonnez-moi, je vous en supplie. Assieds-toi. Allez, monsieur. Assieds-toi. Écoute. Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire.
Tu es très brillante. J'aimerais que tu reprennes tes études. Monsieur, j'aimerais vraiment retourner à l'école. Mais vous voyez, le problème, c'est l'argent. Après avoir payé la scolarité, il faut payer plusieurs autres choses. Chaque mois. Et je ne peux le faire que quand je suis payée. Par ailleurs, ma famille dépend aussi de ce salaire. Je vais financer tes études, Tika. Monsieur, vraiment, Dieu vous bénira, monsieur. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur. Ça, c'est ma maison juste là. S'il vous plaît, laissez-moi juste là. Mes parents ne comprendraient pas. Pourquoi vous me ramenez? C'est d'accord, je comprends. Alors, pourquoi ne pas discuter avec eux aujourd'hui et me faire le compte rendu demain? Que Dieu vous bénisse, monsieur. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup, monsieur. Papa. Oh. Ma fille. Papa, bonsoir. Tu sembles très contente aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, quelque chose de grand va se produire. Quelque chose de grand? Oui, papa. Viens t'asseoir. Prends place. Ok. Oncle Obina veut que je retourne à l'école. Et il dit qu'il va sponsoriser. Vraiment? Oui. Oh, mais c'est formidable. Oui, papa, merci. C'est une très bonne nouvelle. Oh. Je suis très heureux d'entendre ça. Mais félicitations. Merci, papa. Tu le mérites. Maman, bon après-midi. Pourquoi est-ce que tu la félicites? Maman, oncle Obina veut que je retourne à l'école. Et il a dit qu'il va payer pour ça. Voilà ce qu'elle vient de me dire. C'est une bonne nouvelle. Merci, très maman. Très bonne nouvelle. Félicitations, ma fille. Merci, maman. C'est un grand rêve qui se réalise. Oui, vrai. Maman. Ouais. Chica. Qu'est-ce que tu fais avec ton boss? Je suis sûre que tu fais des choses avec lui. Papa, maman, ce n'est pas normal. Son boss, ce n'est pas le Père Noël. Je n'ai rien fait du tout. Il s'est lui-même proposé de me sponsoriser. Maman. Dis-nous toute la vérité. Que fais-tu avec ton patron? Comment ça? As-tu commencé à coucher avec lui? Non, maman. Non, bon, je suis sûre que tu couches avec lui. Non. Eddie, arrête. Arrête toute ta bêtise. Arrêtez quoi? Arrête. Qu'est-ce que tu prends? Hein? Et toi? Mauvais esprit. Ça te semble étrange, n'est-ce pas? Désolé. Laisse-moi un peu t'enseigner. Certaines personnes sont tellement dignes qu'elles n'ont pas besoin d'efforts ou de se battre pour que les bénédictions les suivent. Plusieurs personnes n'ont pas besoin de sauter de lit en lit, d'homme en homme, de lieu en lieu, pour que les bénédictions ou les bonnes choses les localisent. Ta sœur ici est l'une d'entre elles. C'est ça. Je suis très persuadé qu'elle ne fait rien du tout. Elle ne fait rien d'illicite avec son patron dans son lieu de service. Ma fille. Papa. Va à l'intérieur et cherche quelque chose à manger. Et repose-toi. Tu lui demandes à l'intérieur. Et félicitations encore, merci, ma fille. Merci, papa. Hein? Va te reposer à l'intérieur. Papa, ce n'est pas juste. Es-tu sûr que tu ne couches pas avec ton patron? J'ai dit, va à l'intérieur, Chica. Elle fait comme tu si elle va travailler pas ta alors bouche, que... Là-bas, tu verras. Laisse-la esprit tranquille. Corrompu. Quel esprit corrompu? Ce qu'elle dit est et vrai. Et toi? Ouvre tes et yeux. Et toi? Ta cette bouche? Fille, cette fille doit coucher avec son patron. Qui fait ce genre de choses pour rien? Qu'en sais-tu? Comment ça? Qu'est-ce que j'en sais? Qu'en sais-tu? Est-il le Père Noël? Mais comment dis, arrête ça. Juste...
La manière dont tu traites cette fille, ça devient bizarre. C'est à cause de toi. Ça devient très bizarre. Non, c'est à cause de toi. Ça commence à devenir bizarre. C'est toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi tout ça? Aussi laide et sale qu'elle est. Pourquoi ça doit toujours être elle qui ramène les bonnes nouvelles tout le temps? Donc maintenant elle va aller à l'école, hein? Quand je suis prise comme une illettrée. Non. Ce n'est pas possible. Je dois faire quelque chose à propos de ça. Chica n'ira jamais à l'école. Ce n'est juste pas possible. Chica. Chica. Réveille-toi. Chica, attends. Je veux te dire quelque chose. Ah ah. Quoi? Non. J'ai sommeil. Chica. Ah. Oh. Idioma. Je dois travailler demain. Laisse-moi dormir, s'il te plaît. Mais tu pourrais ne pas être en vie, oh. Hein? Dis bien, hein? Lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Chica, j'ai eu une très grande révélation. Chica, ouvre les yeux. J'ai eu une puissante révélation. Dieu descendait juste comme ça. Il descendait. Je regardais Dieu. Dieu me regardait. Je regardais Dieu. Dieu me regardait. Ce n'était pas un rêve. Tu sais qu'avec les rêves, on ne sait pas si c'est réel ou ce n'est pas réel. Mais là, Dieu était, tu vois, comme si on discutait. Tu vois cette offre que ton patron t'a faite, hein? Tu dois refuser. Tu dois refuser. Parce que, hein, cette révélation que Dieu me montrait, dans cette révélation, hein, tu pleurais amèrement. Ton patron t'a pris quelque chose. Ne dis pas à Dieu ne plaise. Chica, écoute-moi très bien. Il n'y a pas d'adieu ne plaise. Tu dois rejeter cette offre immédiatement. Oui, parce que moi, je ne veux pas perdre ma sœur. Je ne blague pas avec toi. Tu es ma seule petite sœur. Idioma, tu vois, il ne ressemble pas à une mauvaise personne. Mon patron, Jésus. Chica, hein? Est-ce que c'est écrit « mauvaise personne » là, sur le front des gens? Non. Est-ce que c'est écrit « bonne personne » là, sur le front des gens? Chica, écoute-moi. Je suis ta sœur, oh. Je ne peux pas te tromper. Tu sais, la révélation que j'ai eue. Comment une personne peut avoir autant de voitures? Pas une, pas deux, pas trois, mais cinq. Différents business, Chica. Une seule personne. Et comme si ça ne suffisait pas pour lui, tu ne t'es jamais posé de questions à ce sujet? Différentes maisons, Chica. Hein? Pour une seule personne. Tu imagines un peu? Et tu vas aller t'introduire dans tout ça, Chica. Hein? Donc, ce que je dis maintenant, c'est de rejeter cette offre. Pour ton propre bien. Hein? Avant que tu n'y perdes la vie. Continue à dire à Dieu ne plaise. Chica. Bonjour, papa. Bonjour. Quel est le problème? Pourquoi fais-tu cette tête ce matin? Papa, je suis vraiment inquiète. À propos de quoi? Je ne pense pas que j'accepterai encore la proposition de l'oncle Obina. Pourquoi? Pour quelle raison? Hier, tu étais très enthousiaste à propos de ça. Qu'est-ce qui a changé ce matin? Idioma a une révélation cette nuit, disant que c'était une manière pour le diable de voler mon destin. Et tu as cru à cette menteuse? Chica, t'as cru à cette papa. Menteuse? Oh. Chica, j'espérais que tu sois en mesure de discerner, car le diable essaye de voler ton témoignage. Tu connais plus ta sœur? Idioma est la photocopie exacte de ta mère. La jalousie est leur second nom. Écoute-moi. Brise leur plan. Chica,
À partir d'aujourd'hui, ne leur donne plus aucune information à propos de ce sujet jusqu'à ce qu'ils soient au point. C'est clair? Ok, papa. Très bien. Papa, je dois m'en aller maintenant. Désolé. Que Dieu te bénisse toute la journée, papa. Que Dieu te bénisse, ma fille. Sois prudente. Tu prends soin de toi. Merci, courage, papa. Courage, hein. Ok, papa. Idioma. Pourquoi cette fille mène-t-elle ce genre de vie? Vraiment. Toujours en train d'imaginer des horribles choses dans son cœur. De faux rêves, de fausses révélations. Regarde, tu as pris tous les œufs. Comment vas-tu? Avec quoi vas-tu manger ceci? Tu sais que maman, j'aime il va ça, manger maman. Ça comme ça. Grand frère, je ne suis pas très contente de toi. Et pourquoi ça? Je t'ai présenté à mon amie Yola. Et tu as rompu avec elle sans même m'en parler. Ils ont déjà rompu? Oui, maman. Elle m'a appelée hier en pleurant. Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle a fait? Non, elle ne l'a pas fait. Je n'ai même pas demandé. Obina, qu'est-ce qu'elle a fait? J'aimais vraiment cette fille. Maman, de nos jours, avant d'aimer une fille, il faut apprendre à bien la connaître. Parce que cette fille de là n'est pas du tout une bonne fille. Parce qu'elle a commencé à se prostituer. Elle a commencé à coucher des hommes pour des sommes allant de 5000 naira à 10000 naira. Et par-dessus le marché, elle a même déjà couché avec deux de mes amis. Jésus-Christ, ça c'est décevant. Est-elle une pute? Comment une si jolie fille peut tomber aussi bas? En vendant son corps à n'importe qui et n'importe comment. Mon Dieu. Ah. Grand frère, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Ah, c'est bon. Tu voulais juste le bonheur de ton frère. Tu me connais. J'ai ma façon à moi d'approcher les femmes. Je veux dire, avant d'avoir une relation sérieuse avec une femme, je prends mon temps pour faire mes enquêtes et l'observer un peu. Je sais que personne n'est parfait, mais au moins c'est mieux. En passant, laisse-moi te dire. Wow. J'ai quelqu'un en tête. Tu es sérieux? Elle s'appelle Chika. Ok. Et elle est l'une de mes vendeuses à la boutique. Vendeuse, tu dis? Mais grand frère, c'est rabaissant. Tu sais, toutes ces filles de basse classe, quand elles voient le luxe, elles commencent à mal se comporter. Mais pas celle-ci. Maman, cette fille particulièrement est loyale et très respectueuse. Et elle est l'une des raisons pour laquelle mon affaire fonctionne mieux chaque jour. Es-tu sérieux? Je t'assure, maman. Bien, puisque tu le dis, oh, je te supporte. Oh. Quel que soit ce que tu décideras de faire, je serai là pour toi, ok? Hi. D'accord, moi aussi. Oh. Dieu m'a juste... Dieu m'a donné la meilleure mère au monde. Tu peux le redire encore. Que pourrais-je faire sans toi? Hein? Ah. S'il te plaît, arrête de me flatter. Je ne suis pas aussi la meilleure des sœurs. Tu es la meilleure fille, je n'aurais pas demandé mieux. Ce n'est que toi que j'ai, toi mon unique sœur. Hein? Allez. Ouais. Eh ben, allez, finissez votre repas. Je cherche un groupe électrogène comme celui-là. Celui-ci? Non, plutôt celui-ci.
Il coûte 150 000 naira, madame. 150 000 naira? Oui. Non, mais vos articles sont trop chers. Je suis désolée, ma. Le truc, c'est que le dollar a augmenté et tout est devenu plus cher. Alors, ce n'est vraiment pas de notre faute. Mais madame, si vous achetez celui-ci, hein, vous verrez, c'est 32 ans de garantie. Je vous l'assure. Vous apprécierez. Ça ne s'abîme pas. Vous n'aurez aucun problème avec. Comment tu t'appelles? Chika, ma. Chika, d'accord. Très bien, je vais le prendre. Merci, ma. Venez à l'intérieur pour que je puisse faire votre facture. J'étais dans ta boutique aujourd'hui. Hmm? Cette fille-là, ta vendeuse, elle est vraiment gentille et accueillante. Tu sais, malgré que mon approche n'était pas polie, elle était toujours polie et très respectueuse. Tu y étais? Oui. C'est très bien ça. Maman? Hein? Est-ce que tu as entendu ta fille? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Attends, alors comme ça tu es allée dans ma boutique espionner une pauvre fille innocente? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Il le fallait, oh. Tu sais, je ne veux pas que mon frère finisse avec une idiote au nom du mariage. Le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Exactement. Mon fils, quand irons-nous voir ses parents? Ah, maman. Hein? Essaye de te calmer un peu. Nous ne sommes pas en train de parler de relations entre petites amies, que nous parlons déjà de mariage. Je sais. Je croyais que c'était une étape après une autre, n'est-ce pas? Mon cher, le temps n'attend personne, tu sais. Moi, je veux déjà des petits-enfants. Tu ferais mieux de te dépêcher. Le plus tôt sera le mieux. Cela viendra, maman. Cela viendra. Ne t'inquiète pas. Je suis juste encore en train de régler quelques petits détails. Hein? Observe-la vite, parce que je veux déjà porter mes petits-enfants. Je ne sais pas ce que tu attends. Fixe une date, s'il te plaît. Parce que la fille que j'ai vue n'a absolument aucun problème. Je n'étais même pas gentille avec elle, mais... elle était tellement gentille, elle était genre, madame, le dollar a augmenté, je suis désolée, oh mon Dieu, elle est tellement gentille, fixe une date. Non mais, qui est en train de parler? Ok, parlons de toi. Maman, c'est encore quoi le nom de cette... tu connais ce attends, garçon? Attends. Henri. Hein? Non mais, qu'est-ce qu'il devient? Allez, tu as un message, regarde ton téléphone. Message. Alors, j'essaie de... Sérieux, vérifie ton téléphone, ça peut être un business, tu sais. Allez, vérifie. Voilà, un message vient juste d'entrer, regarde. Ouais, mais maman, il faut que tu regardes ses messages. Tu regardes son téléphone. Alors, je me suis renseigné sur les examens d'entrée et l'on m'a fait comprendre que ça commence bientôt. Lundi, je voudrais que tu sois prête. Pour qu'on ait inscrit au cours de préparation, question de te rafraîchir la mémoire. Et après,
On t'inscrira pour passer l'examen. Merci, monsieur. Merci infiniment. J'apprécie vos efforts et ma famille vous apprécie encore plus. Dieu merci. Dieu merci. Merci, monsieur. Dieu merci. Alors, qu'est-ce que tu fais souvent le dimanche après l'église? Monsieur, d'habitude, je suis libre le dimanche. Ok, j'aimerais que tu m'accompagnes quelque part. Sans problème, monsieur. D'accord. Sans problème. Prends soin de toi. D'accord, bye. Monsieur. Alors, dis-moi. Je fais confiance à Dieu. Je sais qu'il m'enverra l'homme idéal. Merci. Désolé, monsieur. Je vous l'apporte. Merci beaucoup. Donc, qu'en est-il du fait qu'il soit riche, est-ce que ce n'est pas aussi important? C'est ça, monsieur. L'argent est très important, mais l'amour qui a besoin d'une raison pour exister n'est pas le vrai amour. L'amour est inconditionnel, n'est-ce pas? Alors, l'amour d'abord. C'est impressionnant. Alors, dis-moi, si un homme venait maintenant te demander un mariage, est-ce que je vais accepter? Si c'est la volonté de Dieu, je l'épouserai. Ok. Alors, est-ce que tu as un homme dans ta vie? Comme, désolé. Désolé, tu vas bien? Je vais bien, monsieur. D'accord. Je ne suis pas en couple. Je ne l'ai jamais été avant. Il n'y a aucun homme dans ma vie. Donc, un homme ne t'a jamais fait d'avance? Écoute, je suis désolé si je suis très direct. J'essaie juste de voir si je peux mieux te connaître. Sans problème, monsieur. Sans problème. Chica. Hein? Voudrais-tu m'épouser? Chica! 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 Chica, attends! Papa, je ne m'y attendais pas, alors je n'ai rien dit du tout. Je te comprends très bien, ma fille. Mais je veux que tu réfléchisses. Réfléchis pour savoir si tu peux suffisamment aimer cet homme pour passer le restant de ta vie avec lui. Papa, il me plaît. Il me plaît beaucoup. Mais je suis tellement surprise parce que je ne suis pas de sa classe. Pas du tout. Alors accepte-le. L'amour ignore tout ça. L'amour ne regarde pas s'il est plus grand ou il est... Je veux dire, l'amour ne prend pas en compte les classes, les niveaux, les différences sociales, non. Fais-moi juste savoir quand t'es prête. Tu as mes bénédictions. Hein? Merci, papa. Y'a pas de quoi. Merci. N'en parle pas à ta mère, encore moins à ta sœur. Ne leur dis rien jusqu'à ce que tout soit abouti. C'est d'accord? Oui, papa. Tu les connais. Merci, papa. Je te rendrai fière. Merci, ma chérie. Je vais finir mes travaux. D'accord, vas-y. Voilà. Au moins. Ah oui. Ah oui. Et tiens. You.
Salut beau-frère. Idioma. Monsieur. Comment tu vas? Je vais bien. Est-ce que tout va bien? Ma soeur a demandé que je vienne. Peu importe, je te le dirai plus tard. Oh. Ok, vas-y, prends place. Merci mon cher. Ah, vous vous amusez au... Oui, le bien sûr. Chai. Demain c'est le grand jeu, je peux te joindre, non? Chai. Non, tu n'as pas besoin de me le dire. C'est quand même mon beau-frère. Ah. Les gars, je dois partir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'en vas? Je dois vraiment partir. Demain est un jour chargé. Il faut que j'aille me reposer. Ok, bon retour et prends soin de toi, ok? Mec. Mon pote, tu dois être à l'heure. Non, ne t'inquiète pas. Ne sois pas du tout en retard. Est-ce que tu es sûr que tu rentres à la maison? Oui, bien sûr. Ok, à demain. Merci beaucoup, mon pote. À plus. Alors, comment est-ce que vous allez? Ils vont. J'espère bien. Que vous êtes tous prêts pour demain. Bien sûr. C'est gentil. Ça, c'est gentil. Frangin, moi aussi, je dois partir. Il se fait déjà tard. Tu sais que je dois conduire alors. Sans problème, mon pote. Ne t'inquiète surtout pas. À demain. À demain. Ne t'inquiète surtout pas. Alors, hein. Ne l'oublie pas. Ok, merci, François. À plus. Et bonne nuit. Ok, à plus.
Ah, tu mets de la musique? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu m'appelles très tôt le matin? Non, mais qu'est-ce qui va pas chez toi?
Ben non, je suis pas sot. Mon petit bébé. Bonjour, monsieur. Tu viens de m'appeler, monsieur? Désolé, monsieur. Alors change-le en bébé. Tu es un vieil homme, comment pourrais-je t'appeler bébé? Je suis ton mari. Ok. Ok, bébé. Ton téléphone a sonné. Oh, ok. Qui appelait? Je n'ai pas regardé. Oh. Ok. Hein? Laisse-moi voir. Oh. Ce n'est rien d'important. Ok. Alors, ma jolie, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux manger au petit-déj? N'importe quoi. N'importe quoi. Tu es sûr? Oui. Ah, permets que je me dépêche et je vois ce que je peux faire pour toi. Je viens t'aider. Ah non, allons. Je peux cuisiner. Je sais. Détends-toi, ok? Ok. Je te l'apporte, d'accord? Merci. Toujours en train d'admirer ta bague. Elle me plaît. Ok, j'arrive. Elle me plaît. Ok. Celle d'Obina n'est pas comme ça. Elle n'a pas de diamant. La mienne a un diamant. Allô, maman? Maman, Chika n'est-elle pas l'enfant préféré de papa? Hein? Alors, qu'est-ce que tu fais dans la maison de Chika? Mais bien sûr, même si tout le monde est supposé y aller, c'est papa qui est censé être là-bas. Maman Biko, rentre, s'il te plaît. Rentre. Je ne sais pas ce que tu fais là-bas. Maintenant, elle va commencer à t'insulter pour toutes ces choses que tu lui as fait. Reviens à la maison. Et c'est papa qui va rester là-bas. N'est-ce pas elle sa préférée? Maman, s'il te plaît. Je suis fatiguée d'aller dans ton bar, de recevoir les gens et tout le monde demande après toi. Alors, s'il te plaît, reviens prendre soin de ton bar. Je ne l'ai pas ouvert pour que tu commences à te balader. Oui, maman, reviens. Reviens. Tu n'as rien à faire là-bas. Bye. Je te dis, ce gars est tellement drôle, il n'a pas cessé de nous faire rire. C'est ça, vraiment. Et d'accord, laisse-moi te faire un topo au sujet de ce que ton mari aime. Ok. Nous allons commencer par ce gant. Mon frère aime tout ce qui est court, comme les courtes jupes, les courtes robes, les courtes petites culottes là. Qu'est-ce que tu caches? Serette, écoute. Ton corps est le temple du Seigneur. Tu ne devrais pas mettre tous ces vêtements courts. Tu sais que je suis une femme d'église. Moi, je ne peux pas mettre ces chaussures. Ton corps appartient à ton mari. Si tu ne portes pas ces vêtements sexy, les filles là-dedans vont les porter. Oh mon ton Dieu, mari. Aucune femme ne s'approchera de mon mari. Tu dois acheter des trucs sexy et même tes ongles. Il aime quand les ongles sont vraiment très longs. Et ceci tout le temps. Écoute, si un de tes ongles se casse, tu pars le changer ou alors tu changes tout complètement. Ah, bien. Je ne peux pas mettre des ongles parce qu'après je ne pourrai rien faire. Ouais, je comprends, mais avec le temps tu vas t'habituer. Ne t'inquiète pas, je t'amènerai dans la boutique d'une amie et tu vas choisir toutes les choses que ton mari aime. Est-ce que tu sais que ce make-up sur ma face, je ne me sens pas à l'aise avec? Je ne suis pas ce genre de personne. Et si cela ne dépendait que de moi, je resterais sans ça. Même ces mèches sont trop lourdes. Pas dans cette maison, pas avec ton mari. Ne t'inquiète pas, on va aller dans la boutique d'une amie. Je n'ai même pas les ongles. Quand j'irai poser les miens, je t'amènerai, ok? Ok, merci Serette. Que Dieu te bénisse. J'apprécie vraiment tout ce que tu fais pour moi. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. Merci beaucoup. Tu ne t'aimerais pas. Tu es une personne formidable. À moins que cette personne ne soit une sorcière. Merci. 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 Il n'y a pas de quoi.
Idioma. Idioma. Idioma, c'est pas toi que j'appelle? Papa. Papa. Papa, bon après-midi. Mm-hmm. Il va me puiser de l'eau, je vais prendre mon bain. Papa... D'après mon bain de la journée. Papa, je dois aller te puiser de l'eau. Mm-hmm. Je fabrique la pluie ou quoi? Ha! Papa, tu savais que tu aurais besoin de l'eau pour te laver et tu as laissé Chika se marier. Ha! Papa, si tu as besoin d'eau pour te laver, oh, appelle Chika. Elle viendra avec de très grosses bassines pour toi. Mm-hmm. Elle y mettra de l'eau pour toi. Parce qu'en ce qui me concerne, je... Regarde mes oncles, je ne peux pas les détruire parce que je dois te puiser de l'eau. S'il te plaît, tu peux y aller toi-même. Idioma. Idioma. J'arrive pas à y croire. Alors c'est arrivé à ce niveau. Bobina, hmm? Où
Où est-ce que tu vas? Où est ta femme? Oh, elle est allée chez le coiffeur avec ma chère sœur. Alors j'étais sur le point d'aller les chercher. Ah, ne peuvent-elles pas rentrer d'elles-mêmes? Maman, tu sais que c'est ma femme bien-aimée. Je ne laisserai pas le soleil la toucher. Ok, j'oubliais que tu avais épousé la prunelle de tes yeux. En plus de ça, c'est la meilleure belle-fille qu'une mère puisse avoir. Et tu peux le dire encore. Ok, vas-y, je prépare quelque chose. À votre retour, le repas sera prêt. Je suis même déjà en train d'apercevoir un meilleur chrétien. Je vais prendre quelque chose en haut. Conduis prudemment. Ok, à tout à l'heure. D'accord. Bébé. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas comme tu es d'habitude. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est papa. Je lui ai parlé plus tôt dans la journée et... Papa souffre. Personne ne s'occupe plus de papa maintenant. Imagine papa qui est hyper tendu, porte de l'eau sur la tête tout le temps parce que ma sœur ne veut pas l'aider. Quoi? Ça c'est méchant. Je suis désolé de le dire, mais tu es si différent de ta mère et de ta sœur. Je veux dire, je ne comprends pas vraiment leur mode de vie. Hein? Mais ça va aller. Hein? Tu dois te ressaisir parce que l'inquiétude ne résout aucun problème. Et concernant ton père, on va lui apporter de l'aide. Ok? Tu es sérieux? Merci infiniment. Je n'y avais même pas pensé. C'est parce que tu te faisais du souci. Chérie, ne t'inquiète pas. J'aime vraiment cet homme et je n'aimerais pas que quelque chose lui arrive. À la première heure demain matin, je vais demander à ma mère de nous trouver quelqu'un. Je sais qu'elle s'y connaît. Merci infiniment. Regarde, tu es tellement, tellement, tellement adorable, plus belle et encore plus romantique lorsque tu souris. Regarde-toi maintenant, hein? Merci. Allez, viens, allons nous coucher, ok? Ok. Attends, laisse-moi te couvrir, mon bébé. Alors maintenant, je suis ton bébé, c'est ça? Bébé. Papa, maman, je n'aime pas la mine qu'a papa. Il est tellement pâle. Tu n'aimes pas la mine qu'a ton père? Il n'a pas l'air bien, c'est ça? Oui, maman. Attends un peu. Chérie, tu sais en quoi consiste mon travail? Oui, je sais. Je ne me repose pas. Ok, en parlant de ça, regarde-moi. Regarde-moi, ai-je l'air d'aller bien? Non, dis-moi, est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Normalement, si ton mari et toi, vous vous occupiez de ton père et de ta sœur, pour moi, les choses auraient été plus faciles. Et si vous m'aidiez donc à le faire? Chica, ne parle pas à maman de la sorte. Tu vois papa ici présent? Papa se plaint énormément. Dis-le-lui. Papa peut se plaindre pour toute l'Afrique. Il n'y a rien que tu puisses faire pour papa qui l'impressionne. Rien du tout. Donc, ce n'est pas la faute de maman. C'est d'accord. Je vais chercher un petit garçon ou une petite fille qui viendra rester ici. Hey! Que Dieu te bénisse, ma fille. Nous a enlevé un poids. Amen, papa. Chérie, c'est exactement ce qu'il faut. Merci beaucoup. Ce sera formidable. Très bien. Mais tu sais une chose? Tu dois juste augmenter notre ration. Tu sais de quoi je parle. Comment ça? Oui. Calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, Biko. Elle doit juste augmenter notre ration. Vu qu'une autre bouche, ça sans joue. Problème. Oui, sans problème. Tu dois l'augmenter. Oui, on a je encore. Le ferai. Tu vois ce que papa te dit. Papa ne te dira pas que j'ai l'habitude d'aller sous le soleil pour lui puiser de l'eau. Oui. Quoi? Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vrai. N'ai-je pas l'habitude ça de faire maman. Ça va. C'est vrai. Ça va. Ça va, maman. Depuis que tu es partie, cette fille souffre, non seulement à la boutique, mais ici aussi. Elle prend tellement bien soin de ton père comme personne d'autre. Merci, même quand maman. Tu étais là, tu ne t'occupais pas aussi bien de lui qu'elle le fait maintenant. Mais cet homme continue de se plaindre. Tout le temps. Quelqu'un regarde là-haut.
Dieu nous voit haut. Quelqu'un nous regarde. C'est Dieu, pas quelqu'un. Dieu, Dieu Tout-Puissant nous regarde. Ok, gloire à Dieu qui le sait. Ça va. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Ça ira. Chica, papa. Ma fille. Papa. Dieu continuera à te bénir. Amen. Amen. Ma fille. Papa. Mon Dieu continuera à te bénir. Amen. Dis-moi, pourquoi n'es-tu pas encore enceinte? Pourquoi n'es-tu pas encore enceinte? Maman, nous attendons encore. Ça viendra. Non, 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 non. Attendre quoi? Écoute, j'étais aussi naïve quand j'ai épousé ton père. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas eu de fils. Écoute, écoute-moi bien. Tu as désormais une belle-mère et elle connaît très bien ses droits. Très bientôt, elle commencera à poser des questions. Et ça, je ne le veux pas. Personne ne vient. Écoute. J'ai parlé à mon pasteur. Elle a dit que je dois t'inviter. Donc, tu dois aller là-bas. Elle prendra très bien soin de toi. Écoute. Je ne veux pas que tu te mettes à divulguer que tu t'en vas voir mon pasteur. Surtout, ne le dis à personne. Tu m'as entendu? Oui, maman. Mon mari, oh. Ton mari, oh. Et même Idioma. Ne le dis à personne. Tu m'entends? Oui, maman. Nous devons vraiment aller la voir. Chassons le diable sur notre chemin. Mmh? Ok, maman. Et maman, quand est-ce qu'on y va? Ça doit se faire demain. Quand ton mari ira au travail, tu viens et on y va. Hein? Ok, maman. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. Okay. Entrons maintenant avant que quelqu'un ne nous trouve ici. Bienvenue. Merci. Ogumo, Jehovah, Ogumo. Oguro, Shiorara, Oguro. Oguro, Shimerere, Oguro. Oguro, Shimerere, Kare. Chica, ma fille. Tu es une femme très bénie. Tu as ta mère à tes côtés. Tu as un mari spirituel très puissant. Seigneur, avec 4 enfants. Moi, ils sont 4. Et il est très fâché de toi. Tout simplement parce que tu t'es remariée. Et il a l'intention de tuer ton mari. Oh mon Dieu. Et tout ceci, oh oui, mon Dieu. Tournera oh mon Dieu. Très mal. Ma, que doit-on faire? Pasteur, s'il vous plaît, que doit-on faire? Ma fille ne peut pas être veuve aussi jeune. Que doit-on faire, s'il vous plaît? C'est dommage. Yahweh n'a encore rien dit. Mais vous allez rentrer et revenir demain. Quand vous reviendrez, commencez le jeûne. Et Yahweh s'occupera de votre cas. Amen. Igetuku ogwe madwe. Igetuku ogwe madwe. Timo ibotukwe. Il t'exaucera, mon enfant. Amen. Thank you.
Bonjour, ma chérie. Bonjour, sœurette. Tu dors même? De toute façon, tu es debout de si bonne heure pour faire le petit déjeuner. Oui, j'ai rendez-vous à l'école ce matin. Oh, et moi qui voulais que tu m'accompagnes quelque part. Et où ça? Je voulais que tu m'accompagnes à la dédicace de l'enfant d'une amie. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée, c'est juste que ce rendez-vous est vraiment urgent. Ok, ça va. Où est ton mari? Il dort encore. Ça ne peut pas être possible. Il dort encore, je t'assure. Je pensais qu'il serait déjà revenu maintenant, mais non. Ok, la belle vie, tu as besoin d'aide? Non, ça ira, merci. D'accord, je m'en vais m'apprêter. Ok, merci. Où est ta mère? Elle n'a pas pu venir, ma. Chica, tu es une femme chanceuse. Aussitôt que j'ai présenté ton cas à Yahweh hier, ta solution était déjà présente. Merci, Jésus. Merci. Ton mari spirituel demande quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Mais par contre, tu dois nous donner de l'argent pour acheter le matériel nécessaire pour le sacrifice. 100 000, c'est la somme qu'il nous faut. Ok. Ok, madame. Vous voulez ça en transfert ou en cash? Un transfert, c'est mieux. Ok, ma. Mais avant ça... Tiens. Prends-le. Très bien. Mets-le sous l'oreiller de ton mari en arrivant à la maison. Avec ça, ce mari spirituel n'aura pas accès à ta maison. Ok, ma. Merci. Oui, c'est moi. Je t'ai appelé plusieurs fois et tu n'as pas décroché mes appels. Et tu n'as même pas pris la peine de me rappeler. Et également tous les messages que je t'ai envoyés. Non, ça c'est ton problème, vu que tu as décidé de te jouer de nous deux comme ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que je suis enceinte. Oui, je suis enceinte. Bye. Bien joué. Bien joué. Dieu merci, tu es rentré. Entre. Ah, maman. Entre, assieds-toi. Vas-tu t'asseoir correctement? Ok. Maintenant. Désolée. Répète ce que tu viens de me dire devant mes enfants. Qu'est-ce que c'est? Qu'essayes-tu de faire? Pleurer? Est-ce que tu pleurais? Vas-tu bien t'asseoir et dire ce que tu as à dire? Ok. Votre fils, mon ami, qu'est-ce qui se passe avec ta voix? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce comme ça que tu me l'as dit? Parle pour qu'il t'entende bien. Votre fils et moi? Très bien. Nous étions ensemble, même avant que je ne découvre qu'il était en couple avec ma petite sœur Chica. Ha! Mais à la minute où je l'ai su, c'est fini. J'ai rompu. Parce que moi, je n'aime pas, vous savez, ce genre de choses. J'ai rompu. Mais, Okwachukwu, je suis maintenant enceinte. Maman, ne prête pas attention à tout ce qu'elle est en train de raconter. Hey. Ce n'était qu'une erreur. Hey. Erreur, tu dis? Ce qui signifie que tu as quelque chose à voir avec elle dans ce cas. Tu me déçois énormément. En y réfléchissant, tu ne m'avais jamais menti avant. Pourquoi commencer maintenant? Maman, calme-toi.
Je pense qu'il y a erreur quelque part. Hi. D'accord, fais-nous comprendre. Es-tu tombée enceinte avant qu'il n'épouse ta... Je peux avoir... Je ne suis pas une meurtrière. Je ne suis pas une meurtrière. Oh, tu es ici. Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille, je dois tout dire. Je ne suis pas une meurtrière, je ne couvrirai rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Chikao. J'ai vu Chika. Ma Chika, moi. Oui, j'ai vu Chika. À l'instant même. Avec une mystérieuse prophétesse. En train de faire certains rituels. Ah ah. C'est pourquoi je suis venue dénoncer. Je n'encourage pas ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Chika ne peut pas faire une chose pareille. Qu'est-ce que tu dis? Elle mon fils, pas, c'est-à-dire? Où est ta femme? Maman, où est Chika? Elle est partie rendre visite à son père. Chez lui. Quel père? Son père, mon époux. Son père, mon époux, je veux comprendre. Maman, je comprends absolument rien. Qu'est-ce que tu racontes? Attendez, vous êtes en train attendez, de perdre du temps. Je allons-y, je vais vous montrer. Elle nous y est. Vas-y, appelle-la. Hey, elle y est actuellement. Maintenant? Vous êtes en train de perdre du temps, okay, je vous dis. Allons-y. Conduis-nous là. Allons-y rapidement, on ne doit pas la rater. Laisse ce téléphone. Je viens en train d'appeler. Chika, ma fille. Chika, ma fille. Tu nous as déçus, ma famille et moi. Qui aurait pu imaginer que tu descendrais si bas, Chika, ma fille? Qui? Aïe! Ah ah! Saviez-vous que plutôt elle s'est plainte chez moi que... Maintenant, vous la maltraitez juste parce qu'elle ne vous a pas encore donné d'enfant. Hein? Sa sœur est ensuite venue annoncer qu'elle est enceinte. Enceinte du même homme. Elle s'est énervée alors qu'elle aurait dû être contente que sa sœur ait donné à son mari un enfant. Mais elle s'est énervée et elle a juré qu'elle en finira avec elle. Et c'est exactement ce que nous avons vu aujourd'hui. Chika, ma fille. Oh mon Dieu. Aïe. Alors je vivais avec le diable pendant tout ce temps. Savez-vous qu'elle m'a même avoué qu'elle a mis du charme sous l'oreiller de Obina. C'est un mensonge. Juste pour contrôler Obina et se rassurer que sa sœur ne vienne pas ici. Ah non, 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 non. Je ne crois pas à ça. Eh? Je ne crois pas du tout à ça. Non, mais qu'est-ce que c'est? Je n'y crois pas non plus, maman. Laisse-moi aller calmer mon frère. On doit vraiment réfléchir à ça. Toi aussi, tu n'y crois pas? Ma chère, pourquoi est-ce que je mentirais? Sérieusement? C'est moi qui te le dis. Elle est mauvaise. Très mauvaise. Que s'est-il passé? L'as-tu vu? L'as-tu trouvé? Dis quelque chose. J'ai vu quelque chose qui était attaché avec un tissu noir, avec du sang au-dessus, au chevet de mon lit. Maman, je suis tellement déçue. C'est un mensonge. Je vous l'avais dit. Dieu merci. Dieu merci d'avoir exposé cette fille. C'est quoi ça? Ma chère, éclaire-toi, il y a quelque chose qui cloche. Merci beaucoup de ne pas avoir caché la méchanceté de ta fille. Suis-je folle? Je ne suis pas comme ça. Je ne cache pas la méchanceté. C'est pour cela que je suis venue dénoncer cette fille. Pour que vous sachiez que je suis de bonne foi. De hey! Très bonne foi. Maman, je dénonce la méchanceté. Il y a... Quelque chose ne tourne pas rond. Ah. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit que quelque chose ne tourne pas rond, maman. Comment ça, quelque chose ne tourne pas rond? Maman, avec toutes ces preuves. Les preuves sont là, non? Alors, qu'est-ce que tu vas ajouter ou soustraire? Je vous ai tout dit. C'est impossible. Cette fille n'entrera plus jamais dans cette maison. Pas tant que je serai encore en voilà, vie. Voilà, voilà. Ah ah. Je ne cache pas la méchanceté. À moins d'être folle, je n'encourage pas la méchanceté. Bébé, je te jure, je n'ai rien fait. Crois-moi, je n'ai rien fait de tel. Dis-lui.
Je t'en prie, mon amour, s'il te plaît. Comment est-ce que tu as pu? Je suis Comment désolée. Comment est-ce que tu as pu faire ça, bébé? Comment est-ce que tu as pu? Tu as dit bébé? Pourquoi est-ce que tu l'appelles encore bébé? Hein? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Dans ce Njunju que tu as vu, ne te dit absolument rien? Pardon, Ijoma, laisse mon frère parler. Tu es là à te comporter comme sa femme. Qui a payé ta dot? Je vous assure, je n'ai rien fait. Je le jure, je ne sais rien à propos de tout ça. Je suis désolée. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Mais nous t'avons vu là-bas. Tu as vraiment brisé mon cœur. Va-t'en. Je veux juste que tu partes. Vas-y, nous allons parler plus tard. Allez, va-t'en. Je ne peux aller nulle part ailleurs. C'est ici ma seule maison. Maman ne m'acceptera jamais chez elle. S'il te plaît, mon chéri, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Je suis innocente, je n'ai rien fait, je t'en supplie. Mon chéri, crois-moi. Tu sais très bien que ma mère ne va jamais te laisser entrer. Le seul endroit où tu vas dormir, c'est à la guérite. Ça va aller. Ça va aller. Lâche-les. Ça va aller. Vas-y, nous en reparlerons demain. Ça va aller. Allez, va te coucher. Je ne l'ai pas fait, je te jure. Je ne l'ai pas fait. Va te coucher, on en reparle demain. Ça va aller. Ne sois pas triste. Hey, 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 hey. Hey. Regarde mon bébé, oh. Ha. Eh, oh. Ça, c'est notre maison. Je porte notre bébé. Hey. Pas comme cette qui n'a rien fait depuis. Hey. Mon enfant. Nous serons très bien maintenant, oh. Hey. Aïe, aïe. Oh, c'est ici que tu es? Je te cherchais. Alors que c'est ici que tu es? Hein? Je te cherchais. Tu dois vraiment être très stupide pour penser que je pardonnerai ton erreur même 22 ans après. Tu dois vraiment être stupide. J'ai attendu le moment idéal pour te donner une bonne leçon. Mais voici enfin le moment. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Idiot. Animal raté. Oh, tu pleures. Lady, tu es le diable incarné. Mmh. Tu es le diable incarné et j'ai vécu avec toi pendant toutes ces années. Mmh. Que t'a-t-elle fait, cette fille innocente? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Pour que tu la punisses de la sorte? Pourquoi ne pas me punir et la laisser tranquille? Non. Tu n'aurais pas ressenti la douleur comme tu la ressens maintenant. Tu n'aurais pas ressenti la douleur de cette manière-là. Si je ne faisais pas, tout ça. Tu ne l'aurais pas ressenti. Misérable, ce n'est que le début. Parce que je vais te donner des leçons. Attends. Que tu restes ici ou que tu rentres là-bas. Raté, 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 raté. Tu penses que tu peux tromper une femme et t'en sortir comme ça? Raté. N'importe quoi. 22 ans plus tard. Nedi, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Pour avoir fait ça à cette fille. Nedi, cette terre va te punir. Oh. Maman, maman. Personne ne dit que ce qu'elle a fait était bien. Bien sûr, nous devons d'abord l'écouter avant d'en tirer une conclusion. Exactement, maman. Obina a raison. Je savais que tu le supporterais. Mais écoutez-moi. Tous les deux devaient être fous pour croire que j'accepterai cette idée. Ça ne marchera pas. Elle ne fera plus partie de ma famille. Et tu as oublié que je ne suis plus un bébé. Je vais d'abord l'écouter avant d'en tirer une conclusion. Elle est ma femme et non la tienne. Excuse-moi pour ça. C'est soit elle reste et je m'en vais, ou elle s'en va et je reste. Jamais elle ne restera pas dans cette maison, pas tant que je serai là. Et tu ferais mieux d'être enceinte. Tu ferais mieux d'être enceinte, sinon tu verras ce que je te ferai. Si ton cas est le même.
Tu vas effrayer le bébé. Tu ferais mieux d'être enceinte. Pardon? Pardon? Je veux vomir. Vomir? Mon ami, reste tranquille. Parce que j'essaye de te mettre de ouais, mon côté. Ça. Tu veux abuser de tes droits? Maman, elle fait semblant. Arrête de t'inquiéter. Aïe. Tout va bien ou tu fais juste semblant? Aïe. Est-ce maman, elle est juste en train de faire semblant. Ne peux-tu pas le voir par toi-même? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mon ventre fait... Ouh. Ouh. Calme-toi, calme-toi. T'as pas fait zéro. Apporte-lui de maman, l'eau. Maman, quand tu étais enceinte de l'eau, ton ventre fait zéro. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Quelle merde. Je ne vais pas aller lui chercher de l'eau. Calme-toi. D'accord, maman. J'en profite, oh. Non, ma belle-mère prend maintenant bien soin de moi. Cette sorcière, elle est venue ici hier pour demander pardon. Et cette femme l'a chassée, oh. Mais il fallait voir cette sorcière blanche, celle-là. Et tu as brisé mon cœur, tu as brisé mon cœur. Elle l'aime encore, oh. Et c'est celle-là que je déteste. Je déteste cette femme. Non, je... Maman, mon ventre me fait vraiment très mal. Enlève ton pied de là. Maman, c'était elle, oh. Maman, c'était elle. Aïe, pourquoi est-ce que tu m'as appelée à cette heure? C'est que ces gens sont toujours en train de rôder. Aïe, bye bye. Aïe. Aïe. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi est-ce que je n'ai pas vu ce téléphone, hein? J'aurais... Aïe! Pourquoi est-ce que je n'ai pas vu ce téléphone ici? Maman! Aïe! Ma chère, c'était génial. Merci beaucoup. De rien. Merci. Le plan a marché comme sur des roulettes. Ah! Je suis si contente que le plan ait réussi. Aïe! Je ne fais que reprendre le processus. Exactement. Pour perdre du temps. Et ça a parfaitement marché. C'était super. Merci beaucoup. Et j'espère que tu es à la banque parce que je dois ravitailler ma boutique. Banque, tu dis? Mm-hmm. Étais-je supposée aller à la banque? Qu'est-ce que tu veux dire? S'il te plaît, arrête de plaisanter. Et surtout, donne-moi ma part dans l'argent que ma fille t'a donné. Elle est maintenant ta fille? Ah ah. À présent, tu as prouvé que tu es pleine de méchanceté. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ton problème? Imbécile, c'est ton problème? S'il te plaît. Imbécile? Dis-moi, qui est imbécile? Moi, imbécile? Ni dis tu es une grosse folle. Ah ah, moi? Oui, tu es une femme très mauvaise. Hey! Elle est ta fille et tu es si fâchée et amère que tu fais tout ce que tu fais là? Parce que tu veux quoi? Quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu l'appelles ta fille? S'il te plaît, je ne veux pas ça, oh. Maintenant, tu viens te placer devant moi pour me demander quel argent? Quel argent? Quelle fille? N'importe quoi, ne me cherche pas les problèmes, oh. En tout cas, sors de mon bureau. N'importe quoi. Donne ma part d'argent que ma fille a donnée. Tu dis que je sorte de ton bureau? Je parle avec l'eau dans ma bouche. Que je sorte de ton bureau? J'en ai terminé avec toi. Donne ma part d'argent. Très bien. Je veux ravitailler ma boutique. Je sors. Quelle boutique? Que je sorte. Ne me provoque pas. Que je sorte. Dehors. Je m'en vais. Dehors. Ça te fait mal? Non. Mais c'est enflé. Non, ça va aller. Salut, maman. Vous êtes de retour? Bienvenue. Attends. N'est-ce pas le gant que je viens juste d'offrir à Chica que tu portes là? Mademoiselle, comment est-ce que vous êtes entrée dans ma chambre? Je l'ai ouverte pour elle. Tu ne peux pas continuer à traiter la mère de ton seul enfant de la sorte. Elle n'a pas ce droit. Tu sais, depuis la nuit dernière jusqu'à ce matin... Je n'ai rien dit quand je t'ai vu porter ma culotte blanche et mon tricot. Parce que je sais que je les aurais jetés quand tu les aurais enlevés. Mais de là à partir dans la chambre de Chica pour porter ses habits, tu n'as pas ce droit. Maman, ça dépasse les bornes. Je n'aime pas ce que tu viens de faire. Qu'est-ce qui te donne le droit de laisser une étrangère entrer dans ma chambre conjugale? Et moi, quel droit?
Formidable, c'est très bien. Continuez, c'est pour cela que je vous envoie à l'école. Continuez, c'est très bien. Mademoiselle, rentre dans cette chambre et ramasse tout ce que tu as apporté. Je te ramène immédiatement chez tes parents. Oui, et tu sais que ça, c'est impossible. Oh, regarde mon maman. Regarde comment je vais te choquer. Lève-toi. Allez, lève-toi rapidement. Allez, rentre dans cette maudite chambre. Laisse-la faire ces choses et sors d'ici. Maman, laisse-la faire. Allez, avance. Elle va finir par te frapper. Laisse-la. Elle doit partir, maman. Non, mais c'est quoi ce délire? Elle n'a pas le droit d'être là. Ramasse toutes tes affaires. Maman. Obi. Hey. Tu es encore là? Tu es encore là? Si je vois encore quelque chose qui te ressemble dans cette maison, je te jure que je te brise les os. Allez, va-t'en! Je veux prendre mes affaires. Espèce d'idiote. Que je te revoie encore rôder dans les parages. Premièrement, je voudrais que tous les deux vous sachiez que quel que soit ce qui s'est passé entre Idioma et moi était une très grave erreur. Idioma? Idioma? Hey! Idioma? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Idioma, est-ce qu'on a fait quoi? Oh mon Dieu! Idioma, qu'est-ce qu'on a fait? Comment est-ce qu'on est arrivé ici? D'accord. Tout d'abord, tu étais ivre. Hey! Tu m'as supplié de t'emmener ici. Je t'ai emmené ici, je voulais m'en aller haut, rentrer chez moi, mais tu as commencé à me supplier. Et tu t'es mis à bavarder. Tu es le sucre de mon thé, c'est toi que j'aime depuis longtemps. Ah! Je n'arrête pas de... Attends, c'est toi qui m'as demandé de te dire... Idioma, tu sais que ce n'est pas du tout juste. Comment est-ce qu'on a pu faire ça? C'est un crime. C'est un crime. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Obina, recouche-toi. Repartir où? Idioma, je t'en prie. Idioma! Aïe! Idioma, lève-toi. Non, mais qu'est-ce qui va pas chez... Je suis désolé, s'il te plaît, debout. Idioma, est-ce que quelqu'un t'a vu entrer ici? Non, non. J'ai été très, très, tu vois, très prudente. Ta mère est allée au lit, ta sœur est allée au lit, alors il n'y a aucun problème. Idioma, s'il te plaît, rapide-toi, il faut que tu t'en ailles. Allez, je t'en supplie. Partir où? Tu ne vois pas l'heure? Ne vois-tu pas qu'il est 3h30? Où est-ce que tu veux que j'aille à 7h de la nuit? Idioma, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais te déposer chez toi. Je vais te raccompagner, s'il te plaît. À cette heure-ci, même si c'est juste 4 heures de temps, laisse-moi dormir. Hein? Parce que tu ne m'as pas laissé me reposer. Hein? Oh. Après tous les un d'hier, tu ne veux toujours pas me laisser me reposer? Si je ne me repose pas, je ne serai pas en forme le matin. Je t'assure,
Tu ne comprends pas ça? Idioma, bébé. Idioma! Je suis désolé, s'il te plaît, rhabille-toi, s'il te plaît. Devrais-je crier? Idioma, arrête. Devrais-je crier? Mais pourquoi est-ce que tu me frappes comme ça? Je suis désolé, c'était pas intentionnel. Idioma, non. Idioma, tu nous mets dans une situation embarrassante, s'il te plaît, habille-toi. Tu devrais me donner du temps pour dormir, parce que, regarde, maintenant j'ai besoin d'un massage. Mais si tu me laisses dormir, ça pourrait aller. Idioma, arrête. Rappelle-toi, s'il te plaît. Je vais te raccompagner personnellement chez toi. D'accord. Tu veux que je me lève? Attends, je me lève. Attends, je vais prendre les chaussures. Qu'est-ce que tu veux que je cache que tu n'as pas déjà vu? S'il te plaît, je t'en supplie. Porte-les juste, s'il te plaît. Oh, Seigneur, Seigneur. Tu n'as pas envie d'un deuxième round? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Oh. Idioma, dépêche-toi, s'il te plaît. Ah. S'il te plaît, ne me demande pas de me dépêcher. Je suis fatiguée. Alors tu ne me donneras pas ce deuxième... Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Écoute, je suis vraiment désolé d'avoir permis que cela arrive. Je ne te l'ai pas dit parce que je voulais pas te perdre. Vraiment? Tu penses vraiment que c'était judicieux de me cacher une telle chose? Je regrette amèrement. C'est bon. Je comprends. Je vais m'en aller. Maintenant, je dois voir mon père. Ça va aller. As-tu au moins pris ton bain? Tu n'as même pas nettoyé ceci. Tiens mon téléphone. Tu ne t'es pas lavé. Pourquoi? Je le ferai à la maison. Ne t'en fais pas pour ça. Ça va. Je vais m'en occuper. Ne t'en fais pas. Ça ne va pas. Ça va. Prends soin de toi, d'accord? Oh, non. Bébé, je suis désolé, ok? Oh, j'ai vraiment tout gâché. J'ai tout gâché. Je n'étais pas sûre de ce que je faisais, mais je crois que j'ai tout gâché. Oui, tu l'as fait. Et pas ici. Mais je te pardonne parce que je t'aime. Elle reviendra. T'inquiète, elle reviendra. T'en es sûre? J'en suis sûre. Maman, je pensais que tu m'aimais. Hein? Regarde ce que tu m'as fait maintenant. Est-ce que c'est normal? Hein? Regarde ce que tu m'as fait. Idioma, retire tout ce que tu viens de me dire. Si tu ne veux pas que je me déverse sur toi, s'il te plaît. Maman, ce n'est pas mieux de me tuer. Maintenant là, suis-je en vie? Présentement, tu ressens que je suis en vie? Ne suis-je pas une honte? Regarde-moi, Idioma. Je suis enceinte de quelqu'un qui a épousé ma sœur. Maman, tout ceci juste à cause de tes conseils. Pourquoi tu ne pouvais pas juste me conseiller d'être une bonne fille? Mais non, tout ce que je fais, tu supportes. Mal, tu supportes. Bien, tu supportes. Maman Mba. Maman Pico, ne me touche pas. Ne me touche pas. C'est quoi tout ça? Idioma, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ton bien. Je l'ai fait pour que tu réussisses. Je ne savais pas que ça allait être un boomerang. Je ne savais pas que ça se passerait comme ça. Chai, si seulement je savais. Si seulement je savais, je ne t'aurais pas du tout écouté. Tu as ruiné ma vie, je t'assure, maman. Tu m'as complètement détruite. Regarde-moi maintenant. Il est clair que je resterai avec toi dans cette maison. Chica. Papa. Ma chérie, je pense qu'il est grand temps que je te dise tout ce que tu dois savoir te concernant. Ok, j'écoute. Dans le cas où je dors et que je ne me réveille pas demain... Ce culte était très beau. Vraiment très beau. Regarde comment la parole de Dieu a agi sur nous. J'ai vraiment beaucoup apprécié, je t'assure. Je l'ai beaucoup apprécié moi aussi, ma chère. Attends, j'entends des pleurs. Toi aussi, tu entends? Oui, je pense. Je pense que ça vient de ce côté. Continuons, trouvons-le. Comment un enfant peut-il pleurer à cette heure de la nuit?
papa Idioma, sois prudent. C'est une petite fille. Regarde. Hey! La méchante femme qui a abandonné ce bébé ici pour mourir ne s'en sortira pas. Et en plus, à cette heure tardive, ce monde est méchant. Qu'allons nous faire? Hein? Nous ne pouvons pas laisser ce bébé mourir ici. Nous ne pouvons pas la laisser mourir ici. Nous devons la ramener à la maison, s'il te plaît. Nous devons la ramener et faire d'elle notre enfant. Et en plus, nous n'avons qu'une seule fille. Ramenons-la et faisons d'elle notre enfant. Que dirons-nous aux gens? Comment allons-nous expliquer aux gens sa présence? Ah, que pouvons-nous leur dire? Qu'allons-nous leur dire maintenant? Qu'allons-nous dire? Ah, ok, oui, j'ai une idée. On va leur faire croire que j'étais enceinte. Oui, on va leur faire croire que j'étais enceinte. Et que nous, que nous avons une petite fille. Ok, c'est d'accord. Amenons-la. Ok, laisse-moi la prendre. Papa Idioma, on dirait que tu aimes cette fille bien plus que ta chair et ton sang. Pourquoi? Dis-moi, pourquoi ne devrais-je pas? Hein? Pourquoi ne devrais-je pas? Idioma ressemble-t-elle à un enfant qu'on puisse aimer? Hein? Tu me fais rire. Elle reprend une classe pendant 7 ans. Et tu me rends compte des bêtises. Écoute, tu ferais mieux de te respecter. Papa Idioma, je ne sais pas de quoi tu parles. Que je me respecte ou pas, le droit de naissance de ma fille ne doit pas être attribué à une parfaite inconnue. Ça n'arrivera jamais dans cette vie. Même si ça me prend la dernière goutte de mon sang, ça ne se fera pas. Comment peux-tu donner le droit de naissance de ma fille à une parfaite inconnue? Le droit de naissance de ma fille, c'est le droit de naissance de ma fille. Je te l'ai déjà dit. Ça n'arrivera pas, hein? Non, tu es la patronne de la maison, ça n'arrivera pas. Ma chérie, pardonne-moi de te l'avoir cachée pendant toutes ces années. Je pensais pas que ça te ferait du mal d'une quelconque manière. Je suis désolé. Alors, toute cette maltraitance. Non, papa, tous ces traitements de faveur. Je pensais qu'elle le faisait parce qu'Idioma était sa préférée. Je suis vraiment désolée d'être la raison pour laquelle ta femme et ta fille te détestent tant. Merci de me choisir au détriment de ton propre sang. Merci d'être le père que je n'ai jamais eu de toute ma vie. Merci d'être le père que je n'ai jamais eu. Merci, papa. Merci pour tout. Tu seras mon père pour toujours. Ça va aller. Maman, n'oublie jamais que si Dieu devait nous juger comme nous jugeons les autres, personne, je répète, personne ne verrait le lendemain. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'elle a fait était juste, mais au moins, commençons d'abord par l'écouter et trouver la raison pour laquelle elle a fait tout ceci. J'aimais cette fille. Je l'aimais tellement. Mais elle m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Où vais-je trouver la force de lui pardonner? Aïe! Félix, entre! Je lui ai apporté de m'acheter la carte de crédit. Viens, entre! Ce visage m'est familier. Oui, maman. C'est moi qui me suis faite passer pour la prophétesse Ma. Oui, je me souviens d'elle. C'est la prêtresse qu'on a vue avec Chika. Exactement. Attendez. Qu'est-ce que tu entends par « tu es celle qui a joué le rôle de la prêtresse » Désolée, Ma.
C'est sa mère qui m'a poussée à le faire pour ternir l'image de Chika. Pour qu'on la chasse et qu'on épouse sa fille Idioma. Seigneur, aie pitié. Elle lui a fait croire qu'elle avait un mari spirituel. Qu'il tuerait son mari si elle ne fait pas les sacrifices qu'on lui demande de faire. Et c'est moi qui lui ai donné ce truc qu'elle a mis sous ton oreiller. Je suis désolée. Pour combien? Combien t'a-t-elle payé pour que tu le fasses? Désolée, ma... Lady m'a donné 10 000 naira pour le faire. 10 000 naira pour détruire un foyer? Non. Ce n'est pas que ça. Oh. Chika m'a donné 100 000 naira. Elle t'a donné 100 000 naira et tu trahis une personne qui t'a donné 100 000 naira pour une personne qui t'a donné 10 000 naira? Je suis désolée, monsieur. Pardonnez-moi. Je suis désolée. Elle n'est pas normale. Je me laisse toujours à la cuisine de ma maison. Pardonnez-moi. Hey! Pardonnez-moi. Je vous en prie. Tu es méchant. Je dis 10 000 naira. Je le jugerai. Tu ne resteras pas impuni. Tu souffriras pour 600 ans. Je suis désolée. Ce n'est pas de ma faute. Tes enfants souffriront ainsi. Je suis désolée. Tes enfants souffriront de ce que tu as fait à Chika. Je suis désolée. Mon ami, hors de ma vue. Hey! Hey, Dieu. Hey, Dieu. Hey, Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? J'ai toujours souffert avec quelque chose qui clochait. Jésus. Ma Chika, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en prie. Oh, parle-lui. Arrête de me regarder comme ça. Chika, s'il te plaît. Chika. Chika. Chika, ma fille, s'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je t'ai vraiment fait du mal. S'il te plaît, pardonne-moi, hein, chérie. Arrête de me regarder comme ça, supplie-la. Supplie-la, tiens mon mari. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Chika. Ma fille, je suis vraiment désolée. Chika. Chika, Chika, je t'en prie, Chika. Chika, Chika. Regarde ce que tu as fait. Ne commence pas. Tu vois ce que tu as fait. Ne commence pas. Tu vois ce que tu as fait. Oh mon Dieu. Qui est-il? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Idioma! Idioma! Hey! Oh! Hey! Hey! Lève-toi! Maman dit... Quelqu'un pour l'aider. Chika. Lève-toi. Que quelqu'un vienne en aide. Je vous en prie. Lève-toi. Chika. Ah non. Beaucoup de choses se sont passées ces deux dernières semaines. Mais, Dieu merci, nous avons réussi à les surmonter. C'est la preuve que Dieu est fidèle. Alors, je pense que nous méritons prendre une pause après toutes ces choses. Alors, je crois que j'ai une idée. Quelque chose. Ce n'est pas assez, mais... Tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est un dictionnaire. Ça, c'est un passeport international. Mmh.
Nous allons à Dubaï. Dubaï? Mm-hmm. Ah, merci. Oh, je t'en prie. Merci beaucoup. Et bien sûr, je sais, tu sais ce que c'est. Un chèque d'un million de naira. Arrête. Bébé, tu mérites mieux que ça. En fait, tu mérites le meilleur. Je veux pas savoir ce que tu vas faire avec, mais c'est pour toi. Hé, allez. Merci beaucoup. Merci de m'aimer inconditionnellement. Merci. J'apprécie. Ma fille, bon retour chez toi. Merci, maman. Je suis vraiment heureuse que tu sois revenue à la maison. Le diable nous a vraiment malmenés. Mais Dieu merci, il est présent. Ce n'est pas de notre faute. Je n'ai pas su ce qui s'était passé. Mais quoi qu'il en soit, Dieu merci et bon retour chez toi. Merci, maman. Tu m'as vraiment manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Merci de me laisser revenir à la maison. Pourquoi pas, c'est ta maison. Et j'ai un petit cadeau pour toi. S'il te plaît, accepte-le. Merci, maman. Il n'y a pas de quoi. J'espère que ça Qu'est-ce te plaira. Qu'est-ce que ça peut bien être? Quelque chose pour toi. J'espère qu'il va te plaire. Wow. Mm-hmm. Est-ce que tu l'aimes? Merci beaucoup. Merci, maman. Ma fille. Fabriqué par Tatiana. Tu mm-hmm. sais quelque chose. Oh, mon Dieu. Merci, maman. Il n'y a pas de quoi. Contente que ça te plaise. Je les aime. Waouh, merci maman. Dieu merci. Waouh, c'est beau. Merci beaucoup maman. J'adore. De rien. C'est tellement beau. Je vais l'ouvrir. Oh, vraiment. Je ne peux plus entrer dans ma chambre. Chika. Je ne sais plus quoi dire parce que maman a déjà tout dit. Mais bienvenue à nouveau et Dieu merci, nous sommes à nouveau réunis. Oui, et merci. Je suis très heureuse que tu sois revenue. Je sais que je t'ai promis quelque chose pour ton anniversaire, mais on est en train de célébrer quelque chose de plus grand que l'anniversaire. Donc, je t'ai acheté un cadeau. Tu peux deviner? Allez, calme-toi, calme-toi. Assieds-toi. Je t'ai acheté quelque chose que tu rêves d'avoir depuis. Oui, devine. Je ne peux pas deviner. Donne-le-moi. Devine, quelque chose que tu as toujours voulu avoir. Donne-le-lui, Biko. Ok, je t'ai acheté un iPhone. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce que tu as toujours rêvé d'avoir. Un iPhone! Merci! Merci! Il n'y a pas de quoi, chérie. Merci, oh, contente Dieu. Qu'il te plaise. Vraiment contente qu'il te plaise. C'est réel. Bien non, sûr c'est faux. C'est Elle n'y croit pas. Cela ne va pas m'empêcher de vouloir voler ton corps. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Oh, merci. Oh. Merci. Maman, il merci pas beaucoup. Il n'y a merci. Pas de quoi. Ne t'inquiète pas, rien ne va m'empêcher de te voler cette chaîne. Tu n'es pas sérieuse. Il n'y a aucun endroit où tu pourrais la cacher. Merci beaucoup. Il n'y a J'apprécie. Pas de quoi. Oh, je t'en prie, il n'y a pas de quoi. De rien, ma chérie. Grand frère, où est ta part de cadeau? Hey, exactement, où est le tien? Mon cadeau à moi est plus grand que les vôtres. Attendez jusqu'à ce que vous voyez.
la surprise que j'ai pour toi à l'étage. Ça, c'est ma fille. C'est du lourd. Allons-y. Oh, du calme, du calme. Prends ton mal en patience. Après le déjeuner, tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe? Je meurs de faim. Hey, suis-moi. Allons à la cuisine. D'accord, maman. Allons-y. Je te suis. On y va. Bien. Allez, venez, on peut manger. T'en fais pas, personne ne les volera. Merci. Oh, je t'en prie, bébé. Je t'en prie. C'est bien de te voir heureuse. Ouais, ah, tu m'as aussi. Manqué, tu sais. Tu m'as manqué. Merci. Ok, déjeuner. Oui, déjeuner, mes affaires. Ah, ah, ne t'inquiète pas, personne ne va te les voler. Ah. Hmm? Bébé? Bébé, ma mère. Ma quoi? Mère. Il y a quoi avec ta ma mère? Bébé. Bébé, ma mère. Bébé, comment est-ce que tu le sais? Papa vient de m'appeler. Bébé, maman bébé, est morte. Calme-toi. Bébé, regarde-moi. Regarde-moi, bébé. Calme-toi, ok? Essaie de te calmer. Permette que j'aille vite démarrer la voiture et on y va, ok? Je suis désolé, chérie. Attends-moi. J'ai jamais compris ce que les gens gagnent en étant méchants. Pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas qu'il y a quelqu'un plus grand que nous là-haut qui nous regarde? Tu t'imagines comment on a dit ma femme a mis fin à ses jours et celle de notre fille. Et je n'ai rien pu faire. J'ai rien Papa. Pu faire. Qui est l'homme pour avoir une aussi haute estime de lui? Non. On ne peut pas questionner le Dieu Tout-Puissant. C'est sa volonté qui est faite. Amen. Sa volonté est faite. Papa, arrête de pleurer. Hein? Écoute, papa, tout va bien se passer. Hein? Nous prendrons bien soin de toi. Je ferais mieux de rester chez moi. Non, je non, ferais papa. Mieux de rester chez moi. Ici, c'est chez toi. Arrête, tu me brises le cœur. Papa. Oh. Papa, il n'y a absolument rien que nous allons dire maintenant qui pourra les ramener à la vie. Papa, s'il te plaît, sèche tes larmes. Comme tu l'as si bien dit. Dieu est souverain. Il est celui qui connaît tout d'avance. Hein? Que c'est ça, vrai. Sa volonté soit faite. S'il te plaît, arrête de pleurer.
Je t'en prie. Désolée, papa. Merci. Merci bien. Ça va aller, hein? Merci. Merci. Est-ce que, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui trouver quelque chose à manger? Pas maintenant. Tu es sûr? Oui. Arrête de pleurer. J'espère pouvoir. Tu nous as, n'est-ce pas? Oui. Merci. Merci. Chérie, pourquoi est-ce que tu dors ici? Oh, maman, je dors, mais je ne me suis pas rendu compte. Tu ne t'en es pas rendu compte? Et tu as l'air très pâle. Quand as-tu vu tes menstrues pour la dernière fois? Maman. Ah! Pourquoi as-tu honte de ton mari? Dis-moi quand. Il y a 2 mois. 2 mois? C'est douloureux? Mm-hmm. Tu es enceinte, ma chérie. Maman? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu venais de dire? Quelle est quoi? Je suis enceinte. Elle est enceinte. Je suis enceinte. Deux enfants. Ma princesse! Je suis impatiente. J'ai trop hâte de prendre soin de mon petit enfant. Ah, ça c'est génial. Mon fils est à l'intérieur. Tu peux le redire encore. Bonsoir, la famille. Devinez qui a dit oui. Waouh! Oui, c'est bien moi qui ai dit oui. Merci. Hé, hey, doucement. Et je suis enceinte. Assieds-toi. Ce n'est pas vrai. Assieds-toi. Attends. Ne fais pas d'efforts ou de mouvements brusques. Mes félicitations. Mon frère est un vrai homme. Hey, laisse-moi te dire quelque chose. Ces enfants sont la preuve que. Mon Dieu, je te remercie. Je te loue, je te bénis, mon Dieu. Même après tout, tu l'as rendu possible. Ouais, je t'assure. Hey! Je crois que je me suis fait un vaillant petit garçon. Félicitations. Seigneur, je te remercie. Mon père, je te louerai éternellement. Merci, mon Dieu. Je te louerai éternellement. Eh oui. Écoute, ne fais rien à la maison. Je ferai absolument tout. Ouais. Je cuisinerai tout ce que tu voudras. Ok? Si tu veux même, je te laverai. Prépare-toi à être grasse. Ton mari va te laver. Ah, non, mais t'as voulu faire quoi, là? Ah, elle est à moi, ma chérie. Sois préparée à prendre du poids, ma mère, Dima.
Ah. Oh, des jumeaux. Non, non, non. Une fille et un garçon. Non, non, non. Non. Oui, je ne fais pas deux jumeaux. Je comprends pas. Est-ce que c'est toi qui détermine ce que t'as mis à l'intérieur? Désolée. Un vaillant petit garçon. Enlève ta main, s'il te plaît. Hé, hey, doucement, ne t'appuie pas trop sur elle, doucement. Relaxe-toi. Oh.